Il y a des humains qui se sont mis dans la tête de moins polluer. Ils sont de plus en plus nombreux. Les enfants, notamment. Ah, je vois la scène d'ici. Des gamins pas plus hauts que des poubelles de ville en train de tourner autour de leurs parents qui seraient attachés sur le canapé. Papa tapa éteint la lumière en bas. Maman taca y pense chaque fois. Maman n'est pas tombée. Papa tapa pipi dans le ruisseau. Papa tapa éteint la lumière en bas. Maman taca y pense chaque fois. Maman n'est pas tombée. Mais dans une bidonne sur le gazon, ils vont craquer à la fin. C'est influençable, mes parents. Alors que j'étais si près du but. Moi, Lurch, le génie de la pollution, j'allais accomplir ma mission dans sa totalité. Et voilà qu'une petite poignée d'humains se prépare à me faire échouer. Une fumée contaminée. C'est bien, mais l'étaler, c'est plus vilain. Ah, quelle horreur! Une plante! De la variété des Adenocarpus, Cecilifolius. Ah ben, on peut dire que t'es bien tombé avec moi. Ah bon? Ben oui, parce que moi je suis Glurge. Et de la variété des génies de la pollution. La pollution des airs, la pollution des mers, la pollution de la terre, j'aime la pollution. La pollution des airs, la pollution des mers, la pollution de la terre, j'aime la pollution. Julien Dumont, classe de CE2, évaluation. Quels sont les petits gestes écologiques que tu peux faire tous les jours? Trier les déchets. Économiser l'eau. Ah ben oui. Penser à éteindre la lumière. Aller à pied ou en vélo pour les petits trajets 10 sur 10. Très bon travail. Très mauvais travail. Julien! Zéro, Julien, zéro! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Quelle surprise! Du plastique! Oh, mais alors ça, c'est incroyable! Encore du plastique! Et là, toujours du plastique! Et là, encore du plastique! Le plastique, c'est pas mal. 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 Le plastique, très spécifique. Le plastoc, pour les pare-chocs. Bon, d'accord, mais t'es vite. D'abord, vous devez promettre. Oui, oui. Non, vous devez promettre en disant moi, Glurch, le génie de la pollution. Non, ben ça va. Oh, 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 moi, Glurch, le génie de la pollution, je promets que je t'accorderai ta dernière volonté et j'aurai craché même. Je voudrais que vous me jouiez une musique. Une musique comme le vent. Doux et léger, qui fait frémir mes feuilles avec la bienveillance d'une caresse. Une musique fraîche comme la rosée, délicatesse de gouttes limpides qui donne avec le jour des reflets argentés. Mais je ne suis pas poète, moi. Choisis autre chose. Vous aviez promis. Mais comment veux-tu que je fasse un truc pareil? Je ne vous demande pas de réussir. Je vous demande juste d'essayer. Bah, doux et léger. Il fait frais, il a mon feu.
Voilà. T'es contente? Allez, qu'on en finisse. Devenir le génie de la dépollution. Mais il va falloir que je change de tenue alors. Hein. Mais il y a plus urgent que ta tenue, plus urgent que les apparences, plus urgent, plus urgent, plus urgent. Oh, 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 bah c'est bon là, oh. Par quoi je commence alors? Commence par ramasser tous tes déchets. Mais c'est dégoûtant. Bien, tu commences à comprendre. Allez hop, emballer, c'est pesé. Non, non, d'abord il faut trier le papier avec le papier, le plastique avec le plastique, etc. Etc. Bon, alors, le papier. Alors, le papier. Photocopie. Le papier carbone. Le papier d'aluminium. Le papier baissé. Le papier mâché. Pour moi, le génie de la la dépollution. Une nouvelle vie commence. Mais qu'est-ce que je vais leur dire, moi, à ces humains? Par million de déchets, il faut bien les... trier. L'eau de ton robinet, faut l'éco... l'économiser. C'est dur ça, hein? Ouais. L'économiser. La lumière, oublier, énergie, gaz... de France. Gaspiller. Je pourrais très bien me débrouiller tout seul, hein? Mais bon, à deux, c'est mieux qu'un. Lerche, à présent, allons à la déchetterie, trier tout ça. Allons-y. Dis donc, la plante, comment ça se fait que c'est toi qui décides de tout, alors que c'est moi le génie de la dépollution, hein? Parce qu'il faudrait quand même pas pousser Papy Clerche dans les orties, hein? Enfin, alors, maintenant que j'ai mis ça au point, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais le refaire le matin. Glerche ? Oui ? Et si tu commençais par te taire ?